Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure où vous rencontrez avec vidéo ça. Hein? Si vous rencontrez avec le matin, bonjour, si vous rencontrez avec lui. Après-midi, bonsoir. Nous sommes bien contents pour nous voter une nouvelle vidéo pour vous sur notre channel ça, qui c'est Bible ouvert. En dans Bible ouvert, nous toujours porter en pile connaissance, nous toujours porter plus connaissance, nous porter en pile parole et en plus belle parole en dans Bible ouvert, nous toujours porter pour vous en dans vidéo ça. Et en dans vidéo ça qui ça dès qui ça nous pourrait parler de vidéo ça nous pourrait parler de la vie de David qui côté David sorti pour le river roi qui est David de prendre naissance qui est David de mourir à qui l'âge David de sacré pour moi et à qui l'âge David de prendre position de commencer exécuter pouvoir royal lui et à combien petit David de fait avec Bathsheba qui laisse quitter maman David qui laisse quitter papa David c'est tout. Belle parole ça yo, belle connaissance ça yo qui en dans Bible nous porter pour dans vidéo ça. Bien si ou bien content pour recevoir. Et ça ça n'a pas de dans vidéo, à chaque vidéo nous toujours laguer, chaque vidéo nous toujours poster, nous toujours encourager et ba nous plus encouragement. Façon pour capable ba nous plus encouragement pour nous continuer faire travail là pour nous continuer porter plus belle vidéo, plus belle connaissance pour vous. Si les ou abonner, si les ou partager, si les ou commenter, si les ou quitter un like pour nous dans la vidéo. Ça va nous plus encouragement, ça va nous plus force, plus détermination pour nous capables de continuer faire recherche pour nous venir avec vous pour vous en dans la vidéo. Et en dans vidéo, avant la vidéo a commencé, n'a pas quitté une question pour vous dans la vidéo. Ou va quitter une réponse pour nous tout dans un commentaire. Dans le commentaire, ou va quitter réponse pour nous. Ou va dire nous à qui l'âge Adam témoin. À qui l'âge Adam témoin. Ou même qui a pris la Bible, ou même qui c'est chrétien, ou a besoin toute connaissance ça yo dans la Bible. Et à chaque fois nous quitter une question, tout, libre plus encouragement pour aller faire recherche là. Et dans la vidéo passée, nous avons quitté une question, nous avons deux personnes qui te joignent réponse là. Nous féliciter deux mondes qui te joignent réponse là. Que bon Dieu continue bénir nous, que bon Dieu continue de verser grâce li et bénédiction sur nous. Et pendant que vous accompagnez nous en dans Bible ouvert, ou accompagnez nous dans Bible ouvert pour nous continuer faire travail là, pour nous continuer faire recherche, pour nous continuer porter belle connaissance, plus connaissance pour vous en dans Bible ouvert. Que bon Dieu bénir ou que bon Dieu avec vous. Quelques secondes. Pour nous retourner. Ya bien. Titre là nous dit c'est qui côté David sorti pour le river roi. Qui laisse David teye? Premièrement, nous allons parler de papa David. Qui laisse David teye? Qui laisse quitter papa David? Papa David, c'est un messier qui te relé Jesse. Mais le plus souvent, nous connaissons sous nom Isaïe. Isaïe avait l'air, après raconter l'histoire de David dans le livre Samuel, dans 1 Samuel avec 2 Samuel, il dit, et l'Éternel voyait prophète en Samuel, la caille, maison, dans la maison Isaïe. Il ne peut pas parler de Jesse, mais non, et papa David, c'est Jesse. Qui laisse David derrière? David. David fait dans l'année 1040 avant Jésus-Christ. David fait dans l'année 1040 avant Jésus-Christ. Et dans l'année ça, David défait. C'était nous déjà, non papa David, c'est Jesse ou bien Isaïe. Maman David te relé ni Zévet. Maman David te relé ni Zévet. Grand David te relé 8. Parce que ça, dans 8 chapitre 4, le verset 22. Grand David te relé Rit. Et grand-père David te relé Obed. Ou ap jwenn li nan même chapitre nou de la. Et Rit chapitre 4, le verset 22. C'est lié moun sa yo qui te parent David. Papa David te relé Jesse ou Isaïe. Maman David te relé Nisévet. Grand David te relé Rit. Grand-père David te relé Obed. Ou ap jwenn tout résultat sa. Réponse sa yo nan Rit chapitre 4, le verset 22. Frère David, David te gen plusieurs frères, mais
Pas oublier la Bible fait connait David, histoire dit c'est David qui était petit parmi toutes frères yo. Oui, c'est David qui était petit parmi toutes frères yo. Et on pas dit nous tous si David te gagné sœur. Mais dans temps la loi c'est pas aussi facile pour te parler des petites filles yo. Et très bientôt nous pour nous porter une autre vidéo pour sur la vie Jacob. C'est pas sujet nous ça. On allez. Frère David yo, c'est Eliab, Abinadab, Chiméa. Pas oublier, la Bible raconte une histoire. Les Samuel paraît la caille et J.C. ou bien Isaïe. Isaïe présentait Abinadab dans Samuel. Pour lui-même, il était ouais, c'est Abinadab qui semblait voir. C'est un homme de prestance. C'est une capacité physique sous forme Abinadab. Dans Samuel, il dit ouais, ah, ça c'est monsieur même qui voit. C'est lui-même l'Éternel choisi. Et voilà, c'est en même instant ça, l'Éternel parlait avec Samuel. Il dit Samuel, ou regardez sous ça qui apparaît dans les yeux. Moi-même, pas regarder sous ça qui apparaît dans les yeux. Je regarde sous ça qui frappe dans le cœur. Et bien, trois grands, mais trois messieurs, ça nous citer là, c'était trois. Puis grand frère David de qui te gagne belle prestance, hein? homme de loi, homme de lettres, homme de connaissance, c'est Eliab, Abinadab, Chiméa. Pour nous citer ça, yo seulement pour vous. David, qui taille David de une valide taille, qui hauteur? David te mesuré 2,80 m de hauteur. David te mesuré 2,80 m de hauteur. Et puis pour David mesurer 2 mètres de hauteur, un petit nom comme ça, un petit nom, ben peut-être même, il y avait un bien goûté, un petit goûté passé. Et puis pour David, arriver à convaincre un grand géant comme Goliath. Un grand géant comme Goliath, c'est pas si j'ai nous ça, et de parler de Goliath. Pourtant, Goliath, c'était un homme qui devait mesurer 3,75 m de hauteur. Ça veut dire, l'on regarde hauteur David avec Goliath, ou après Goliath en haut, et puis David en bas, balibor, range dit comme ça. Pour différencier ça dans hauteur David avec Goliath. À qui la David Samuel te sacré, te consacré David comme moi. Samuel, prophète Samuel te quand t'es arrivé la caille Isaïe, laissa pour David te gain 17 ans. Le prophète Samuel te consacré David, David te gagné 17 l'année, le lit te consacré comme moi. Là, yo te voye chercher l'enchant, yo vini, yo vide l'huile la sous tête li. Le sa David te gagne 17 l'année sous tête li. Mais à quel âge même David te commencé pouvoir royal li? David te commencé pouvoir royal li, le sa li te gagne 30 l'année. Pas oublié, dans l'histoire David, la Bible raconte nous, David fin consacré comme roi. Et voilà que c'est là ça David commencer à retrouver persécution dans main roi Saül. Parce que David, l'Éternel t'a choisi David pour venir remplacer Saül. Saül t'a gagné une soupçon de ça, t'a dit quand on nous dit, il t'a gagné un pou qui bat de ça, il vient la guerre une persécution dans corps David. David fait 40 ans à diriger Juda et Israël. David fait 40 ans à diriger Juda avec Israël ensemble. Il fait 7 ans, 6 mois à diriger la ville Hébron. David fait 7 années, 6 mois ou bien 7 ans et demi à diriger la ville Hébron. Pendant un moment ça, toute la ville ça a été sous contrôle David. La ville Hébron et puis la ville Israël, ils ont tout sous contrôle David. David, qui ça non David l'a dit? Non David, qui ça non David l'a dit dans la langue hébréa? Dans la langue hébréa, non David l'avait dit Daoud. Daoud, c'est pas moi Daoud. Là, quand nous, comme grand monde, on dit le mot Daoud, non? Non, David le dit en hébreu, Daoud. Mais dans la langue panouan, qui est français,
ou bien c'est-à-dire comme ça créole dans langue panouan en français il signifie aimer. Oui, il signifie aimer ou bien chéri. C'est ça non David le dit en français. Et puis dans langue hébraïque il signifie daou. Qui ça qui profession David? David c'était un homme qui dégain en pile profession. Oui, David c'est bien pile profession. Si m'ta dit n'importe monde capable dit ça en bas vidéo en commentaire. Yo n'importe monde ta cité premier profession David. Oui, tout le monde connait premier profession David, je connais David c'est un berger. Oui, David c'est un berger. Un berger qui prend soin mouton yo, c'est ça dit dans Somme chapitre 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. L'Éternel c'est berger David et puis David même c'est berger mouton yo pour prendre soin yo, il là pour le bataille avec bête sauvage pour pas dévorer mouton yo et puis pour pas dévorer le tout. Et ça il dit dans son nom, il dit ta houlette et ton bâton merci. Ta houlette là sont un bâton qui gagne un croc la donne. Un croc la donne les moutons yo tombé David passe en balle en bas ventre mouton pour lever. Mais David c'était un berger. David c'était un chanteur, David c'était un poète, David c'était un musicien et David c'était un danseur. David c'était un grand guerrier, David c'était un héros, David était un roi. Oui, David était toute profession ça yo. Roi, on connaît l'Éternel dévoré Samuel al sacré David comme roi. Berger, on connaît David dans champ t'a prend soin bête yo. Ou papal chanteur ou connaît le David est al chanter est al jouer musique la caille roi Saïl les roi Saïl t'est trouvé en bas une persécution et puis musicien c'est les salles t'as joué flûte guerrier ou connaît David t'est goumé avec Goliath qui t'a insulté peuple Israël là bon Dieu t'est suscité David pour t'al défendre peuple Israël en face Goliath. David. Petit garçon David te gagne pété Amnon. Premier petit garçon David te relé Amnon. On pas citer tout pour non, mais on a cité deux ou trois pour. Premier petit garçon David te relé Amnon, il te gagne un autre relé Adonija, il te gagne un relé Absalom, il te gagne Salomon, on connaît histoire bien. David te gagne un seul petit fille te relé Tama. David te gagne yon seul petite fille yo te relé Tama. Mais regardez dans l'autre vidéo nous ka vini avec histoire ça tout, histoire Tama avec frère là encore qui t'est tombé et dans relation sexuelle qui rendre yon frère tuer yon l'autre frère, c'est pas si bien ça. David te gagne yon petite fille yo te relé Tama. Et te dit combien petite David te gagne avec Bathsheba? David te fait 4 petites avec Bathsheba. Bathsheba, madame Iria. David te fait 4 petites avec Bathsheba. Après le monde parle de David dans Somme, dans l'île Somme, après le monde parle de David, David écrit plus dans Somme, dans l'île Somme. Oui, David écrit plus parce que dans le texte David écrit, et ça me dit là, où est caractéristique yon poète là-dedans, où est caractéristique yon chanteur, où est caractéristique yon musicien, gagné, côté David a lamenté devant l'Éternel, côté David a imploré le nom de Dieu, côté David a pris une action de grâce avec mon Dieu. Eh bien, David lui-même, pour qu'on parle, lui écrit 73 chapitres dans le livre Somme qui gagne 150 chapitres. Oui, David écrit 73 chapitres dans le livre Somme qui gagne 150 chapitres. 73 écrit par David. David, l'autre 77 là, il a écrit par plusieurs. L'autre monde gagne, c'est par Moïse, il a écrit. Il y a qui écrit par Moïse, il y a qui écrit par Petit Koreo, il y a qui écrit par Azaf, Salomon. Par exemple, dans Salomon, pour voir David de parler dans petite garçon de Salomon, dans Somme 3, les David t'a couru pour
pour Absalom, c'est pas Salomon, non, Absalom petit li, le lit a écrit Somme chapitre 3. Et dans la vidéo, on a porté pour vous tout 73 chapitre ça, David écrit. Elle me dit 73, il pas sorti de Somme premier, de Somme chapitre premier à Somme chapitre 73, c'est ça où simplement David écrit. Ils ont entré, ils ont mélangé entre eux. Et en résumé, ou après dans Somme David écrit comme résumé, d'après moi-même, et pour venir avec le résultat pour nous, d'après moi-même, moi dit, sous-entendu, moi bien dit, même l'apôtre Paul, elle n'a pas les lits, selon moi-même, ça c'est moi qui dis. Ce n'est pas la Bible qui dit. Si c'est la Bible qui dit, moi je dis, m'a déporté pour nous dans une vidéo. Selon moi-même, pour moi-même, tu as dit dans Somme chapitre 23, c'est résumé Somme David. Parce que ouais, c'est là David fait tout résumé yo. Et là d'où l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. C'est comme si yon moun qui fin travail qu'on y a la prend repos et puis lui fait yon résumé pour raconter toute histoire comme ça. Et bien c'était tout ça nous t'ai pour nous te porter pour en dans vidéo ça. Là encore avec vidéo ça sur channel là, partager, commenter, like. Pour ba nous plus encouragement, n'a bien plus force pour nous porter plus belle vidéo pour vous, plus belle parole pour vous, plus connaissance qui en dans Bible là. Moi m'avoir yo pas enseigner nous yo, mais Dieu fait grâce. Nous faire recherche yo que nous pas kembe yo pour compte nous. Si nous kembe yo pour tête nous peut-être nous pas capable kembe yo pour compte. C'est pour raison ça nous partager l'évangile ça avec vous. Là rencontre vidéo ça dit amen. Fait me sentir ça sont l'évangile. C'est la Bible qui fait me sentir. C'est l'évangile. Que bon Dieu bénisse vous. Que bon Dieu garde vous. Nous rencontrer dans l'autre vidéo. Shalom. Shalom.